have understood that since the beginning on a compris of, que depuis le début de l'ENAC, nous avons assisté à la construction d'une faculté relativement unique qui a accompli de très nombreuses bonnes choses depuis sa création. Nous sommes chanceux d'avoir nos doyens, nos anciens doyens ici, ainsi que de Rhode Island, et également les défis pour le PFL et l'ENAC évoluent. Donc, en 20 ans, depuis sa création, nous ne parlions pas de digitalisation, de disruption climatique, nous ne parlions pas de cela dans le débat public, même si les preuves scientifiques étaient déjà là. Donc, nous allons commencer avec notre question avec le Menti. Donnez votre avis. Donc, nous allons utiliser le format avec le nuage de mots. Donc, nous allons demander au doyen, en commençant avec Andy Bellet, ses commentaires. La question générale est : de l'enseignement face aux enjeux de la durabilité, educational challenges for to sustainability issues. Let's translate the title like this. Okay, so Andrew, est-ce que vous pouvez nous faire un commentaire sur l'empathie, la flexibilité, la créativité et peut-être chercher un mot qui est peut-être dans une taille plus petite. Oui, je vais le faire. Merci beaucoup pour cette opportunité. Tout d'abord, je pense que nous devons comprendre ce que nous avons compris aujourd'hui, quels sont les défis. Nous pouvons penser aux besoins donc en approvisionnement, en nourriture, en eau, en énergie, au changement, à l'atténuation du changement climatique, à son atténuation, etc. Ce sont des sujets pour nous. Les méthodes de production. Donc, ceci se produit dans tous les aspects de ce que nous faisons, l'urbanisme qui s'étend en dehors des grands centres. Également les sciences sociales, les prises de décision, le fait d'être équitable, d'être juste et de prendre des décisions informées. Tout ceci donc implique de nombreuses compétences. L'empathie, la créativité, la communication, tout ceci doit être basé sur des savoirs scientifiques qui sont déployés dans nos programmes, et les étudiants donc sont confrontés à des approches interdisciplinaires au-delà de ce qu'ils apprennent dans une classe ou dans un programme, mais plutôt dans la totalité de ce que nous faisons au-delà de l'EPFL. Donc, si je puis dire, c'est comme si on avait des bulbes de fleurs, et pour qu'ils grandissent, nous avons différentes idées. Peut-être que de nombreux étudiants vont aller dans différentes directions et c'est une opportunité. Donc, on va pouvoir résoudre des problèmes, penser de manière créative et interagir. Et c'est une très bonne fondation pour toute profession. Merci. Je n'ai pas osé présenter les doyens. Donc, Martin Vitterli l'a fait aujourd'hui, Laurent Vouillat, Madame Kitt, donc un guitariste, Marilyn Anderson, entrepreneur, elle aussi professeure. Andrew Bitterly, bien sûr, que vous connaissez très bien, Monsieur Parlange, président de l'Université de Rhode Island, n'est-ce pas? Intéressant. Vous m'avez dit que vous alliez présenter des leçons de sport à l'Université de Rhode Island. Ce n'est pas dans le nuage des leçons de sport, mais effectivement, nous devons introduire cela à l'Université de Rhode Island. Je ne sais pas s'il sera le cas à l'ENAC. Deuxième chose à commenter par rapport à ce nuage, Marilyn.
Oui, merci beaucoup. C'est incroyable de voir cette carte de mots. Et il y a 20 ans en arrière, on aurait eu des réponses bien différentes sur les disciplines ou les compétences, comme on les appelait. Et maintenant, on voit plutôt des mots en lien avec les personnes qui nous sommes en tant qu'êtres humains biologiques et la capacité à nous engager avec les autres et à réinventer les choses et pas juste à suivre des règles. Donc, l'adaptabilité, flexibilité, créativité. Donc, je répète les mots les plus gros, mais on voit donc un changement immense avec la notion du travail, donc qui va changer. Nous devons nous réadapter et certainement avoir des activités très différentes, des contributions différentes à la société pendant notre vie. Et il est très important de le noter et de réagir et d'agir en conséquence par rapport à la petite note que vous avez mentionnée. On a introduire des leçons sur le sport, je pense que c'est une très bonne idée. La santé mentale, ça en fait partie, donc il y a des preuves scientifiques. Donc ces mots ainsi que ce que nous savons qui provient de la science, c'est clair qu'il faut rester pertinent en tant qu'être biologique. Et donc, je vais être le reflet, en fait, que l'intelligence artificielle va coexister avec nous. Et on a des personnes qui ont des compétences très approfondies, qui peuvent s'engager, engager un dialogue avec d'autres personnes qui ne sont pas comme nous. Merci, Marilyn. Monsieur Barlange, donc vous avez été le deuxième doyen de l'ENAC. Quel est votre commentaire sur cette cartographie de mots? Merci, merci. Je suis contente de vous voir tous. J'aurais aimé être là. Peut-être quelques commentaires par rapport à cette carte de mots. Beaucoup des mots mentionnés aux États-Unis, on a l'habitude de parler de soft skills, mais je ne pense pas que ce soit vraiment un bon terme. Ce sont des compétences durables. Et c'est ce que Andrew et Marilyn ont mentionné, c'est très important par rapport au sport. Donc la médecine, donc notre institut des neurosciences à Rhode Island, nous avons fait des recherches sur l'importance du mouvement et les liens entre donc les défis en lien avec la santé mentale que nous voyons dans la société, et c'est très important dans les universités. C'est un point très important, donc santé physique, mentale, spirituelle, tout ceci est important pour le développement d'une personne dans son ensemble. J'étais à l'ENAC quand ça a débuté, et les facultés à l'époque poussaient dans le sens de cette idée, que ce soit pour l'architecture, l'ingénierie, ou les sciences. Donc, bien sûr, on a toujours eu cette collaboration ouverte, l'échange avec les gens et les excellentes contributions dans les différents domaines qui vont permettre de résoudre des problèmes complexes. Je dirais qu'il y a 20 ans, il y a 35 ans même, on parlait donc de l'empreinte carbone au sein du système des Nations Unies. Il y avait beaucoup de questions autour de l'énergie, de l'eau, de la santé et les instabilités géopolitiques également. Quoi qu'il en soit, je suis très content d'être
parmi vous. Merci à tous. Merci, Laurent, en tant que premier doyen de l'ENAC. Il y a 20 ans, mes yeux voyaient mieux maintenant. Je dois m'avancer. En tout cas, c'est un plaisir de voir Marc à l'écran. J'adore la créativité dans le centre, car c'est vraiment le centre de tout. Tout le monde sait que le sport, c'est pas très sain. On peut en parler. Alors, par rapport aux différents mots que je vois à l'écran, cela me rappelle les premiers jours de la création de l'ENAC, il y a 20 ans en arrière, mais finalement, ça a commencé dans les années 2000, et nous avons eu un an et demi pour parler de la, pour penser à la nouvelle organisation de l'EPFL, les étudiants, les professeurs impliqués dans la création de l'ENAC avaient pu se rendre compte de la complexité des problèmes que nous avions à résoudre ensemble. Et cela ne pouvait se faire qu'en associant toutes les disciplines ensemble. Et c'est quelque chose en lien avec la créativité. Car la plupart du temps, la créativité est l'interface entre le savoir et les disciplines. La créativité et au contact du reste. Donc, je ne suis pas surpris que vous ayez mentionné ces soft skills, Marc. Tout le monde comprend dans la salle, donc nous devons avoir des connaissances en architecture et en ingénierie. Donc ça, c'est évident, si je puis dire. Et ici, ce qu'on peut voir, ce sont des choses additionnelles, justement, qui font que ces sciences de l'architecture et de l'ingénierie fonctionnent ensemble. J'aime ce terme, créativité. Donc, quand vous dites que c'est évident, voyons, Claudia, qu'est-ce que vous voyez dans cette cartographie de mots ? J'ai une question pour vous. Vous avez donc ces compétences transversales. Et vous avez aussi cette partie verticale du T. Il y a peut-être un risque. La partie horizontale va peut-être devenir plus grande et la partie verticale va devenir trop courte. Ce que je veux dire, c'est que toutes ces compétences en ingénierie, en architecture, est-ce que vous passez autant de temps dessus? Donc, si vous passez autant de temps sur les compétences transversales, merci beaucoup. On ne doit pas répéter ce que les autres doyens ont dit précédemment. Lorsque j'ai écouté Laurent, je me suis dit, est-ce qu'on revient aux racines, donc au début de l'ENAC? Et en fait, maintenant, est-ce qu'on fait toujours la même chose ou est-ce que c'est toujours valable aujourd'hui? Ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a deux aspects. D'un côté, il y a beaucoup de discussions sur l'éthique, les valeurs qui jouent un rôle important, la justice, comment en tant qu'ingénieur, architecte, nous pouvons contribuer à la justice. Et d'un autre côté, un autre mot qui me parle, c'est la flexibilité. Comment est-ce qu'on peut enseigner à nos étudiants à être flexibles? Qu'est-ce que cela veut dire? Flexible au niveau de l'esprit, flexible pour résoudre différents problèmes. Cela ne veut pas nécessairement dire qu'on ne va pas en profondeur dans l'éducation, mais que l'on doit inclure ces soft skills sur la façon d'éduquer les étudiants. Si on prend un exemple, la pensée critique, vous pouvez dire que c'est une soft skill. Mais dans les cours, on peut encourager cette pensée critique. Ce n'est pas des cours qui sont séparés. Donc, on doit réfléchir de manière critique. Et c'est la même chose avec les systèmes. Si on crée une série de matériaux recyclables, on doit pouvoir voir si tout ceci donc, se fait avec une chaîne, d'où viennent les matériaux, la chaîne d'approvisionnement, etc. C'est intégré en fait dans les cursus. Merci. Je vous en prie, il y a un mot que je ne vois pas, c'est l'innovation.
Je dirais que l'innovation fait partie du processus, ce n'est pas une compétence, donc vous avez très bien répondu. Mais en fait, l'innovation fait partie du processus à l'EPFL. On doit regarder ce qu'on apprend et comment on peut l'appliquer dans la société. Et c'est disponible à l'EPFL et l'entrepreneuriat fait partie de ce paysage. En tant que, à l'époque, quand en tant que doyenne, donc bien sûr qu'on a dû renforcer l'innovation. Donc pour des programmes pour les chercheurs et pousser en fait l'innovation en dehors du labo et ne pas être timide. Nous sommes une faculté, une école avec beaucoup de diversité, hétérogénéité d'une certaine manière, avec beaucoup d'impact social, avec des connexions directes avec la société. Et c'est peut-être pas un chemin évident comme la robotique ou l'ingénierie mécanique, mais toutefois notre travail est très pertinent et nous devons utiliser cette pertinence. Elle doit apparaître dans le monde réel. C'est complémentaire à l'éducation et à la recherche qui sont les deux autres piliers à l'EPFL. Merci. Est-ce que vous avez un autre commentaire sur l'innovation? Le fait peut-être qu'il n'y a pas autant de spin-off comme dans les autres facultés à l'EPFL. C'est pas vraiment vrai en fait. C'est ce que Marilyn donc a commencé. Maintenant, on a créé un pipeline d'innovation directement depuis les labos. Et ensuite, on a créé des startups. Donc, on a un manager d'écosystème. On a vraiment travaillé sur les startups. On va dans la bonne direction. Mark Parlange, à distance, comment est-ce que vous évaluez la formation en termes d'innovation, d'entrepreneuriat? C'est très important de faire cela. Dans ce processus, donc, que ce soit pour le bachelor ou le master. Oui, tout d'abord, j'aimerais dire ceci. Le PFL est peut-être le meilleur exemple de par le monde d'une université qui met en avant cet esprit d'entrepreneuriat des jeunes étudiants, des facultés. C'est un exemple que je prends tout le temps. Si on reprend Patrick Abisher comme président, à cette époque-là, où était la Suisse et qu'on voit aujourd'hui le MIT, les différents magazines, on voit toujours qu'il y a des entreprises de Suisse qui font partie du top 50 mondial. Ceci n'est qu'un signe parmi tant d'autres, qu'on arrive à vraiment utiliser ces champions, ces jeunes startups. L'innovation est un terme qui, je pense, a été utilisé la première fois à l'EPFL. Donc c'est très important pour nous. J'aimerais vous parler de Rhode Island. Nous sommes l'État de l'océan, nous sommes le plus petit État des États-Unis. Mais nous avons 600 km de côte, ce qui nous permet de vraiment mettre en avant la technologie et l'économie bleue, les aquacultures, la résilience côtière, la robotique sous-marine. Et je pense que beaucoup de choses ont pu avancer de manière ouverte. Avec l'EPFL comme un centre qui permet d'attirer les personnes en tant que faculté de destination, et donc j'espère qu'on pourra répliquer le travail que vous avez effectué jusqu'à aujourd'hui avec un si beau succès ici à l'école de Rhode Island, à l'université de Rhode Island. Merci.
Alors, la question suivante, c'est de savoir comment améliorer le curriculum, les cours qui sont offerts pour répondre aux défis du présent. Alors oui, je vais revenir à cela, mais tout d'abord, j'aimerais parler de l'innovation parce que je connais bien le secteur de la construction. Il ne s'agit pas vraiment ici d'une question d'EPFL ou de NAC. C'est plutôt une question de... d'innovation dans le domaine de la construction, de l'industrie de la construction. Pour les étudiants qui sont ici, j'aimerais leur dire ceci. La meilleure façon de pousser l'innovation, c'est grâce à des diplômés, des personnes qui sortent de l'école avec de nouvelles idées. Et ceci m'amène à une autre idée. Par exemple, quel est l'investissement des industries pour la recherche et le développement. Presque 0% dans la construction. Il s'appuie sur l'administration, l'État, qui doit financer la recherche. Et je pense que c'est un réel problème dans notre domaine, dans l'architecture et l'ingénierie. Si vous achetez, par exemple, un médicament, on sait que la moitié du prix est dirigée à la recherche et au développement. Dans notre industrie, ce n'est pas du tout le cas. J'ai un autre exemple, l'éducation continue, la formation continue. En tant qu'étudiant ici, vous connaissez bien plus de choses que les personnes qui seront vos supérieurs dans les entreprises où vous vous retrouverez. Donc, pourquoi ne pas mettre en place l'éducation, l'enseignement obligatoire pour... la formation obligatoire pour les professionnels. Et en médecine, ils le font. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place pour améliorer le domaine de la construction. Oui, mais alors, ça veut dire qu'il faut offrir cette formation à vie qui devrait faire donc partie de ce qui est offert par l'ENAC, par exemple. Peut-être pas à vie, mais parlons simplement d'une chose, ce que nous faisons ici à l'EPFL pour nos bacheliers et nos masters. Alors, l'innovation, ce n'est pas simplement produire les produits que l'industrie veut. L'innovation, c'est définir des problèmes ou des questions et d'apporter des solutions qui s'appuient sur une réflexion créative, innovante. Et donc, c'est pourquoi nous nous dirigeons sur cette approche. Comment ? Eh bien, on donne aux étudiants un ensemble de compétences dans les sciences de base, dans l'analyse des données, dans le modelage mathématique, dans l'apprentissage par machine, dans tous ces domaines où les étudiants peuvent apporter ensemble des solutions innovantes. Si vous me demandez quels seront les problèmes de l'avenir, eh bien, on en a parlé aujourd'hui. Il y a une avalanche de données qui nous viennent de toutes sources différentes. Et ici, on ne parle pas ici de confidentialité ou de vie privée. Il y a beaucoup de sources de données qui sont publiques. L'EPFL met l'accent sur la science des données. Donc, on est tout à fait d'accord de la valeur de cette approche. Si vous nous demandez quels seront les changements de notre programme, eh bien, en s'appuyant sur la connaissance scientifique des autres disciplines, nous voulons mettre ensemble ces nouveaux outils récents qui nous viennent de nos laboratoires, les outils qu'on a mis en place avec les professeurs et lors de nos recherches, et les ajouter à notre enseignement. Donc, l'analyse des données, le modelage pluriéchelle, toutes ces solutions qui doivent répondre aux défis du présent et de l'avenir. Donc oui, on fait de l'innovation et je sais comment cela va être impliqué dans notre programme à l'avenir. Oui. Très intéressant, mais soyons un peu plus spécifiques. À un moment, il faut ajouter de nouveaux cours. Et j'ai vu qu'on parlait, par exemple, d'éthique. Pensez-vous qu'on devrait ajouter un cours d'éthique ou d'analyse des cycles de vie. Ça semble très important lorsqu'on parle de l'obsolescence, de l'économie verte. Ou peut-être devrions-nous ajouter un laboratoire de l'analyse du cycle de vie. Alors, c'est un débat que nous avons pour le moment au niveau de l'ENAC et de l'EPFL, donc toute cette analyse du cycle de vie, c'est très important. Nous avions d'ailleurs un professeur en
cycle de vie en ingénierie de l'environnement par le passé, mais il a quitté l'université. Donc, bien sûr, il faudrait que nous évaluons cette possibilité. Je ne pense pas qu'on doit parler ici uniquement du cycle de vie, mais ceci lié à l'économie circulaire, aux économies en général, pour avoir une vue systémique. Et alors, il y a déjà un cours en bachelier qui étudie cette question. Alors, j'aimerais revenir sur ce qui vient d'être dit. Je pense que ces outils numériques seront un atout pour nos étudiants qui leur permettra d'innover. Je pense que nous devons bien sûr les enrichir, ces outils. J'ai trouvé ça très intéressant lorsque notre deuxième orateur de la journée a dit savoir comment nous allons utiliser ces outils pour passer aux actions. On a parlé beaucoup de communication, de collaboration, de coopération. Donc comment vraiment impliquer les parties prenantes à nos côtés avec les outils numériques afin de réellement avoir des répercussions sur nos actions. Et je pense que les laboratoires, la réalité, sont vraiment un élément clé et nous devons continuer là-dessus. Et peut-être que ça peut se faire avec des projets, avec des actions pratiques, utiliser vraiment les outils que nous avons déjà, en ajoutant peut-être cette composante éducationnelle. Mais je pense que c'est possible à faire. Mark Wallinger, j'aimerais que vous me parliez de l'apprentissage continu durant toute la vie. Donc peut-être pourriez-nous nous donner votre point de vue là-dessus. Oui, je trouve ça très intéressant, surtout le commentaire de Laurence. Lorsque j'ai quitté l'EPFL, je suis allé à l'Université de British Columbia, Colombie-Britannique, pour être doyen d'ingénierie et j'ai dû passer l'examen d'ingénierie donc et chaque année je devais suivre des cours. C'était pas du négatif du tout, donc je pense que oui, il y a des côtés positifs à cela. Pour moi, c'est tout à fait fondamental. La pandémie nous l'a montré. Il y a différentes manières d'apprendre et d'enseigner, d'interagir. Ce n'est pas l'ancien modèle. Nous avons de la chance. Nous sommes à l'université, nous sommes dans une situation où nous faisons face à de jeunes personnes innovantes qui nous questionnent chaque année avec de nouvelles idées. Quand on parle de l'industrie, il est très important de questionner les façons de penser. Sinon, on continue toujours avec la même façon de faire, année après année. Et vous avez mentionné l'industrie de la construction. Et un de mes amis, lorsque j'étais en Australie il y a peu de temps, m'a dit que si un homme de Néandertal venait, un homme de l'époque romaine venait sur un site de construction aujourd'hui, il ne serait pas vraiment surpris de ce qui se passe. Donc, c'est peut-être là qu'il y a quelque chose à faire. Oui, en effet. Je pense que c'est la même chose aux États-Unis. Mais pour le moment, on voit beaucoup de personnes qui médisent les architectes, les urbanistes, parce que nous observons dans nos villes beaucoup de béton, même dans les écoquartiers, ici à Lausanne, on a cette impression que l'industrie et les architectes sont toujours en retard, viennent après la guerre. Donc comment combattre cette inertie? Qui pour prendre la défense des architectes? Alors, tout d'abord, d'un point de vue de l'enseignement, je pense que, d'ailleurs, c'est ce dont nous parlons avec ce panel, nous devons apprendre beaucoup de choses de l'architecture qui s'appuie sur la conception, qui est là également pour vous aider à réfléchir. C'est-à-dire que vous avez l'habitude, vous êtes à l'aise de gérer avec gérer des questions qui ne sont pas bien définies. Je pense que l'ingénierie peut emprunter beaucoup de choses de cela et nous apprendre à faire face à des problèmes sans fin, complexes,
des réels problèmes, et c'est souvent comme cela d'ailleurs dans le monde. Ils sont souvent pluridimensionnels, mal définis, et donc avoir la capacité de penser, se montrer ouvert d'esprit lorsqu'on s'attaque à un problème, et je pense que c'est très important d'apprendre ceci du monde de la conception. Et ceci a rendu populaire également les approches projet, les cours qui s'appuient sur un projet, donc nos étudiants les aiment beaucoup. Et c'est également quelque chose qui est plus proche de l'architecture que de l'ingénierie. Par exemple, c'est différents projets nous ont menés à de l'entrepreneuriat. Les étudiants ont compris qu'en croyant en un projet, ils peuvent vraiment donner toute leur énergie, apprendre beaucoup. Donc, je pense qu'il n'est vraiment pas temps de mépriser qui que ce soit, mais plutôt de reconnaître la contribution de chacun à la société. Ne mélangeons pas l'architecte à l'urbaniste. Les objectifs sont différents. Les résultats sont différents. Ils doivent plutôt collaborer main dans la main pour atteindre des résultats positifs. Donc, je pense qu'en tant qu'enseignant, nous devons plutôt expliquer les implications de nos décisions. Et ceci nous ramène à la question de l'éthique également. Obtenir de la connaissance quant à l'éthique veut dire que lorsque nous développons des algorithmes, eh bien, on doit savoir qu'il y a peut-être des conséquences qu'on n'aura pas prévues. Donc la question est plus complexe. Et il faut être capable de prendre en compte tout ce qui est positif dans chacune des disciplines que nous représentons ici à l'ENAC. Alors, avant de conclure, j'aimerais vous demander à chacun de me dire en une ou deux phrases quelles sont les priorités d'enseignement pour les étudiants, pour le NAC. Chacun d'entre vous aura la parole en quelques mots, s'il vous plaît. Mais avant cela, j'ai une question assez ambitieuse à poser. Ce matin, j'ai discuté avec M. Messori. Il m'a dit à la fin du 19e siècle, la Suisse a créé les écoles polytechniques pour répondre à l'industrialisation. Peut-être qu'aujourd'hui, nous devrions construire une nouvelle école ambitieuse pour répondre au changement climatique. La Suisse pourrait être au devant de la scène, un pionnier en cette matière. Qu'en pensez-vous? Doit-on créer une nouvelle école? Une nouvelle faculté? Il y a peut-être quelque chose d'intéressant là-dedans. Parce que le défi climatique est peut-être un défi aussi grand que celui de l'industrialisation à l'époque. Alors, je vais répondre à cette question par mon opinion. Mon opinion, c'est qu'à l'EPFL, il y a déjà beaucoup, une très profonde connaissance de ces thématiques. Cela demanderait peut-être énormément de budget de réorganiser nos efforts, mais en tout cas, il y a déjà quelque chose de présent. On n'est pas là en train de dire qu'il faudrait une révolution complète, mais c'est une idée intéressante en tout cas. Doit-on conclure là maintenant? Non, pas tout de suite. S'il vous plaît, qui aimerait répondre à cette question un peu provocatrice? Je pense que le changement climatique fait partie de cette tendance actuelle. C'est un sujet, c'est un objet, c'est un projet. Donc je ne pense pas qu'une école devrait s'organiser autour d'une telle thématique. On peut résoudre beaucoup de problèmes. On a parlé du transport, par exemple, de l'urbanisation et d'autres points, les systèmes énergétiques. Donc, pourquoi, à chaque nouvelle grande tendance, devrions
devrions-nous créer une nouvelle école? Non. Je pense que notre enseignement est profond, détaillé, multidisciplinaire. Donc, je pense que nous avons, en fin de compte, les outils pour résoudre ce problème. Et si je peux me le permettre, il y a quelque chose dont j'adore parler et personne ne veut en parler. Juste matière à penser ici que j'aimerais vous donner. Aujourd'hui, les organisations et les entreprises sont toujours évaluées en fonction de leurs objectifs d'environnement, de gouvernance et sociétaux. Donc c'est toujours cet acronyme qu'on utilise. Et j'aime bien penser à ça parce que ceci est lié en général. Je pense que la majorité de nos problèmes sont liés à une mauvaise gouvernance. Et revenons aux Romains, comme on vous l'a dit. Des façons très anciennes d'organiser les choses. Si vous voyez comment les organisations sont organisées, eh bien, les disciplines, même comme les entreprises font de l'ingénierie, avons-nous les bonnes attitudes vers une façon de penser qui s'oriente sur le système? Quelles sont les règles? Quelles sont les normes que nous suivons? Eh bien, je pense que les architectes et les ingénieurs devraient remettre en question la gouvernance en ce domaine. En effet, si vous discutez avec un architecte local ou un ingénieur, vous vous rendrez compte que la majorité des obstacles sont en général liés, d'une certaine manière, à des questions organisationnelles, des problèmes organisationnels. Merci. Donc, en conclusion, on va tout d'abord donner la parole à M. Parlange. S'il vous plaît, deux phrases pour répondre à cette question. Quelles sont les priorités principales pour les étudiants lorsqu'ils sont diplômés de l'ENAC? Je ne connais peut-être pas la réponse à cette question, mais je voulais revenir sur quelque chose qui n'a peut-être pas été abordé suffisamment à l'EPFL et à l'ENAC, mais qui arrivera. On a parlé de ces entreprises et de l'ISG en anglais, c'est-à-dire donc l'éthique, le social et la gouvernance, et je sais que c'est quelque chose qui est présent de par le monde. Il y a autre chose qui n'a pas été vraiment souligné, c'est la diversité, l'égalité et l'inclusion. C'est très important en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, puisque nous étions des pays qui ont été colonialisés avec des problèmes de racisme. Quand vous revenez ici, c'est assez effrayant, et c'était le cas également en Australie. Donc, pour les étudiants, c'est très important, lorsque l'on parle de leur enseignement, de penser à ces questions. Donc, je pense qu'il convient également de prendre en compte ces trois facteurs. Merci. Alors, on va essayer d'être un peu plus court, parce que Claudia devra conclure après cela. Marilyn. Thank you. Merci. Alors, je vais commencer donc sur le changement climatique et la durabilité, car c'est au centre de l'ENAC. Donc, l'idée, c'est vraiment de réunir toutes les disciplines, les secteurs, y compris la gouvernance, la politique, le comportement, etc. Donc, tout cela, pas avec une seule solution, donc en termes de compétences qui doivent être acquises par nos étudiants, ils doivent avoir des compétences approfondies, donc avec une contribution unique et l'habilité à s'engager avec d'autres parties prenantes, des personnes qui sont différentes d'eux, qui pensent différemment, afin de travailler ensemble, pas en étant des généralistes, mais plutôt d'avoir donc des discussions et qui permettent de résoudre ce type de problème. Donc, moi, je pense que nos étudiants doivent avoir une connaissance approfondie. Je suis d'accord avec Marilyn. Donc, plus ils auront ces savoirs, plus ils seront adaptés. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est que ces sciences, ce n'est pas seulement les maths, mathématiques, la chimie, etc. J'aimerais, deuxièmement, que les étudiants soient formés
pour un enseignement orienté projet, pour penser de manière globale et multidisciplinaire. Merci, Andrew. Donc, quand j'étais plus jeune, on entendait penser mondialement et agissait localement. Le monde est grand, nous faisons de petits changements, mais le globe est petit, l'impact est massif. Donc, c'est faux, en fait. On doit commencer à agir localement et ça a un impact au niveau mondial. Une fois que les étudiants comprennent ce qu'il y a à comprendre de manière approfondie, cela ne peut que amener au succès. Merci, Claudia. Est-ce que vous pouvez faire un résumé toute la journée? Tout d'abord, je vais dire mon commentaire et ensuite, je ferai la conclusion. Oui, oui. Donc, je pense qu'il faut présenter les choses différemment. Trois types de savoir, donc des savoirs par rapport au système, par rapport aux disciplines. Après, où ils veulent aller, peut-être avec les indicateurs clés de performance, et ensuite le savoir transformationnel. Donc peut-être pour arriver à un état plus durable. Et ce savoir, c'est certainement celui qui est le plus difficile à acquérir, et c'est un défi. Merci. Et ensuite, la conclusion. Je ne peux pas résumer toutes les discussions que nous avons eues, mais par rapport au sujet donc, qui émerge dans ces nuages de mots, pourquoi est-ce que vous souhaitez collaborer avec l'ENAC, le changement climatique, l'énergie, c'était vraiment les priorités clés. Donc je dirais que d'un côté, les sujets que nous avons choisis sont en accord avec nos partenaires de recherche. Ils pensent que c'est pertinent. Et ensuite, on peut les valoriser en collaborant au sein de l'ENAC, de l'EPFL et au-delà. Deuxième aspect auquel j'ai pensé, c'est que nous avons besoin de valoriser davantage le côté digitalisation. Donc, on peut valoriser une plateforme urbaine, une collaboration et comment faire en sorte que nos outils digitaux que nous développons à l'heure actuelle peuvent créer un impact dans le monde. Troisième aspect qui va vraiment, qui est présent dans mes pensées, c'est que les défis futurs, c'est comment identifier donc des moyens de transition qui amènent à la durabilité. Comment? On a entendu M. Messerli qui a dit que ce sera très important. Quel est le rôle de la gouvernance? Quel est le rôle de la science? Comment faire en sorte que cela fonctionne ensemble? Et ce qui est intriguant, c'est comment identifier donc des feedbacks positifs qui font que cela renforce les choses vers un avenir plus positif. J'ai également entendu des points importants. Confiance, valeurs et éthique. Comment inclure ces aspects dans nos pensées et dans notre enseignement? Quatrième point, enfin, un aspect clé qui est ressorti, c'est comment dépasser nos silos disciplinaires. Même si nous sommes très bons à l'ENAC pour les intégrer, peut-être que nous pouvons aussi nous améliorer à ce sujet et peut-être enseigner au-delà de l'ENAC. Et comment le faire pour les étudiants? J'ai trouvé très intéressant cette question de la santé mentale. Pendant la pandémie, c'était un sujet clé. Nous devons nous assurer que la santé mentale des étudiants est conservée à l'avenir. Nous devons faire tout notre possible pour que la santé mentale soit présente. Sans cela, les étudiants ne sont pas en mesure d'apprendre, d'innover et d'être créatifs. Et pour moi, c'est vraiment l'un des sujets principaux. Et je trouve cela très enthousiasmant. Et également, d'après ce que j'ai pu entendre de mes collègues doyens. Merci beaucoup. Merci.